Alors d'abord, je vous remercie donc la DULAC de nous inviter. Pour nous, c'est la première fois, vu que nous sommes une société belge au départ, et nous avons créé une activité donc, en France qui s'appelle Ordiges France. Le but de mon intervention à ce jour, eh bien, c'est de vous présenter un petit peu ce que nous faisons, pour que vous ayez une visibilité de notre activité. Je vais être bref, précis, concis, en essayant d'employer donc, des terminologies française, ne pas rentrer dans les acronymes barbares du monde informatique que je ne maîtrise pas, premièrement, pour vous expliquer donc clairement et simplement ce que nous faisions. Ça, c'est le but. En 10 minutes, j'espère y arriver. Je vous demanderai donc à la fin de mon intervention que vous me validiez de la tête ou comme vous voulez par Twitter ou votre support de la confirmation de la compréhension de mon message. Et après, je vous inviterai donc cordialement, pour les personnes qui sont intéressées, de venir pour récupérer plus d'informations sur notre stand. Ça vous va? Bon, je sais, c'est un peu dur, là, après le repas, 15h, mais je partage effectivement les mêmes contraintes que vous. Alors, on y va. Alors, OK. Donc, Ordiges, c'est une société donc basée donc à Bruxelles, qui a une dimension européenne et qui a depuis 4 mois donc racheté la société donc Trace, donc certaines personnes donc connaissent, hein, qui s'occupe principalement donc de la gestion des marchés publics sur l'aspect juridique de la chose et qui intègre aussi une solution de dématérialisation en open source. Nous sommes donc tous des consultants, ingénieurs, donc cadres de cette société et nous avons une entité en Tunisie, donc de développeurs, donc plus 20 ou 22 personnes, donc pour être exact, pour arriver à avoir donc des prix corrects en ayant donc une meilleure réactivité que si nous étions sur le marché français. Donc la société a été créée quand même en 77, donc ne date pas d'hier. Entre 77 et 2002, il y a eu du transiciel, Monsieur Cohen, certaines personnes donc peut-être le connaissent, donc qui est sur son île maintenant, tant mieux. Et en 2002, Capgemini donc, a racheté la société à l'époque pour développer une solution en full web. D'accord ? Alors, Michel, je te demanderai s'il te plaît d'aller plus loin. Alors, comme vous pouvez le constater sur nos magnifiques donc, supports publicitaires, vous voyez que notre logo, nous, c'est un robinet avec donc des fuites. Qu'est-ce qu'on fait bien comme métier ? C'est une question, à votre avis ? C'est pour vérifier si le service marketing fonctionne bien. Hein. Belge, oui, absolument. Pas européen, non. Bon, allez, je vais vous aider un petit peu. Donc là-dessus, vous voyez, notre expertise et notre métier, au départ, nous, c'est le contrôle de la dépense, basé sur la gouvernance de la dépense. Parce que, constat, c'est bien d'avoir donc, le code des marchés publics à disposition, d'avoir des outils performance, des process de gestion donc, au sein des établissements qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais le constat est que depuis quelques années, nous avons changé complètement, radicalement dans les termes. Après, bon, effectivement, l'être humain étant comme il est, c'est peut-être un peu plus compliqué hein, pour ceux qui ont 20 ans d'administration derrière. Mais nous sommes là pour vous accompagner, de passer de la commande publique vers l'achat public. D'accord ? Beau chantier. Donc là-dessus, le fait d'avoir tous les outils performants de contrôle juridique, de rédaction des pièces administratives, de répondre aux décrets d'obligation, d'avoir des solutions de dématérialisation pour les marchés publics, de gérer la passation, de gérer l'exécution, c'est bien. Mais s'il n'y a pas une corrélation directe avec l'élaboration budgétaire, la préparation donc derrière donc financière donc du budget, et si on n'a pas une solution derrière de contrôle de l'engagement dès le premier euro, sans vérification budgétaire, c'est un peu gênant. Ce qui se passe, au retour de nos expertises, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, actuellement, vu les systèmes en place, eh bien, on gère des marchés, on vérifie s'il y a du stock ou pas, on vérifie s'il y a des marchés en cours ou pas. Bon, vous êtes dans l'informatique, vous savez comme moi que, bien, quelquefois, on se rend compte qu'on paye deux maintenances de logiciels qu'on n'utilise plus depuis 3 ou 4 ans. Et encore, ce n'est qu'un petit exemple, là, j'en ai d'autres plus marquants. Donc le fait d'harmoniser tout ça et d'avoir donc, la création, c'est ce qu'on fait, donc, d'un SI achat dédié à la fonction publique, qui va comprendre, donc reprendre tous les éléments liés mais à votre fonctionnement, qui est particulier, ok, certes, mais qui va vous permettre d'avoir
de mieux acheter et de contrôler la dépense. Contrôler ne veut pas dire bloquer. Simplement, on va avoir, vous allez le voir un petit peu dans les deux ou trois slides que je vais vous présenter derrière, chaque fois qu'il y a une demande d'achat, chaque fois qu'il y a une commande, une précommande, préinitialisation, on vérifie logiquement s'il y a le budget disponible. Pas plus simple, une évidence, c'est quand vous allez au supermarché, votre caddie, vous regardez, vous achetez, vous vérifiez la note avant de payer. Mais là, c'est le même principe. Et donc, on arrive derrière à faire des économies d'échelle sur les frais généraux, donc les fournitures, comptes et services, absolument énormes. Okay, donc là-dessus, en plus de ces solutions donc de dépenses et achats, contrôle budgétaire, bah, nous avons la gestion des contrats et marché public. Vu d'un côté, la gestion de marché public, c'est ce que j'ai évoqué, c'est la brique, donc nous avons racheté de Extras, tout ça bien sûr en full web, hein, développé en Java, pour la partie juridique, mais après, la gestion des contrats, je l'entends aussi dans la gestion opérationnelle, du contrôle de, avec les notions de what if, ok, j'ai un processus, je vérifie donc avant de faire ma commande ou de lancer un MAPA, si je n'ai pas déjà un marché en cours, si je n'ai pas du stock, si j'ai le contrat que je vais pouvoir appliquer les règles donc, du marché qui a été lancé, donc pour arriver à une harmonisation et qu'il n'y ait pas de vérification a posteriori, donc si j'ai dépassé ou pas donc les engagements budgétaires, vu que je le fais en temps réel. Et j'ai une meilleure gestion même de l'achat, vu que si j'utilise mes solutions de recensement des besoins, de contrôle de seuil, etc., etc., je vais pouvoir faire du pilotage de l'achat. Me dire, tiens, peut-être que là, cette année, on va passer 4 AO formalisés et on va éviter d'avoir 450 MAPA, vu que normalement... Alors, solution de dématérialisation, effectivement, je l'ai mis au sens large du terme, vu que nous avons des solutions de dématérialisation d'un métier des marchés publics, mais également, vous avez bien compris que toute la chaîne de l'achat et du contrôle de la dépense est dématérialisée aussi, vu que j'intègre des technologies donc OCR pour récupérer les factures, technologies OCI pour faire des commandes directes donc sur des catalogues en ligne, etc. etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous avons aussi les, donc l'aspect modulaire, la gestion des inventaires, la gestion donc des biens patrimoine et interventions, où on intègre donc des plans AutoCAD, on va pouvoir donc définir, tiens, j'ai une intervention, l'ampoule que je change ou le radiateur que je répare, mais ça impacte mon stock, ça impacte aussi bien toute la suite derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à faire donc, tout ce que je vous évoque, donc derrière, nous avons un moteur comptable puissant qui permet déjà de préparer les centres analytiques et les centres budgétaires pour communiquer directement avec vos gestions financières, bulles ou autres. D'accord ? Donc derrière, nous avons aussi donc, une activité de consulting. Je ne m'étais pas là-dessus. Et voilà donc. Utiliser la technologie et l'innovation pour améliorer les process métiers. Rendre simple la pratique de métiers complexes. Implémenter les meilleures pratiques. Ça, c'est notre philosophie. Moi, ce matin, donc, j'écoute un petit peu les différents intervenants. C'est très intéressant, mais ça m'a l'air complexe tout ça. Hein. Donc moi, je vois, quand on met en place auprès des solutions métiers, auprès d'agents, donc des collectivités territoriales, hein, bien, il vaut mieux avoir donc un aspect pédagogique et rentrer directement donc dans la connaissance métier en utilisant des mots simples. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc des clients dans tous les secteurs, hein, vu que ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que même les entreprises privées, donc on a le Crédit Agricole par exemple en Belgique, utilisent les bonnes procédures et les bons modes de fonctionnement de l'administration. Ils commencent à faire donc, du contrôle budgétaire donc, sur la dépense, la chaîne de dépenses. Donc c'est utilisé pour une fois, que ce soit dans ce sens-là et pas dans l'autre, on peut quand même être content. Alors, Michel, on continue. Donc ça, c'est des références européennes, donc ça peut aller, c'est pas forcément les logos, de l'équivalent de la sécurité sociale en Belgique, l'équivalent du Pôle emploi en France avec le Forem, des ministères, des agences, des ports autonomes, etc., etc., des collectivités autres. Sur donc, les références françaises, bon, nous avons la DGA, l'ISCOT d'Azur, le Grand Lyon. Alors exemple, ben, Grand Lyon, eux, on a intégré avec eux donc, des solutions de, équivalentes à Business Objects en open source qui s'appelle Vanilla. D'accord ? La seule différence, c'est que c'est gratuit, entre guillemets, ou compris dans mon offre, bien sûr, rien n'est gratuit dans la vie, on le sait bien tous. Par contre, ça évite de payer ben, 1000 euros par licence pour Business Objects pour avoir exactement le même résultat. Donc ça, c'est un exemple. Sur Nice Côte d'Azur, on a intégré Alfresco sur la GED. OK ? Des exemples. Continue. Donc là, je vous l'ai déjà évoqué. C'est juste un slide pour vraiment mesurer, donc assurer la légitimité de chaque dépense. Réduction des coûts sans impacter la capacité de bien fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur
notre retour d'expérience, rien que le fait de mettre notre solution en place justifie l'investissement parce que les agents ont un autocontrôle. On n'a plus de franc-tireur, on n'a plus de maverick, parce que tout le monde sait que tout le monde peut voir effectivement ce qui se passe donc, sur le niveau transverse. Donc ça, on va passer. Donc voilà, un petit peu donc, d'ergonomie. Pour faire simple, alors je ne vous ai pas montré toute la chaîne, ce ne serait pas possible, hein, il faudrait, ça on peut le voir en aparté. Simplement pour vous dire qu'en termes d'ergonomie et même de technologie, nous sommes dans l'innovation assez importante, je m'explique. Sur une requête par exemple, là vous voyez, vous imaginez, vous êtes au sein de votre établissement, on fait une demande d'achat, donc on a donc, comme dans Google un petit moteur derrière. Mais nous on va plus loin que du Google Search. Par exemple, on travaille avec des universités donc de recherche belges, où on intègre la notion de sémantique. On tape laptop, laptop, équivalent, PC portable, etc., etc., pour aller faire la requête. Un autre exemple, on travaille aussi sur des systèmes donc, basés sur l'ontologie, où à travers donc, je dirais l'habitude d'utilisation d'un utilisateur lambda, on va pouvoir savoir quels sont les écrans qu'on doit présenter, qui s'enchaînent les uns après les autres par rapport au processus d'utilisation et la mémoire qui a été faite derrière. Donc on va assez loin sur l'innovation. Hein. Ok. Alors, peut-être qu'on finira là-dessus. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, j'ai des budgets qui sont créés ou dans la gestion financière ou pas. On récupère, on fait moins 5 en ce moment plutôt que plus 5. Ok. Ensuite, on a des process de partout. On a 4 logiciels pour la gestion. Donc suivant les départements ou les divisions, donc ils vont passer des commandes papier, d'autres qui vont passer sur un autre logiciel, etc. Ensuite, eh bien, bon, on va dématérialiser, on va peut-être utiliser avec le scanner, récupérer la facture, mais il n'y a pas le rapprochement. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en temps réel, chaque fois qu'on va avoir donc, une notion d'achat, on va vérifier logiquement si j'ai un budget donc, de disponible avec un contrôle en temps réel et un joli camembert de consommation. Ce qui évite de faire à la fin, donc sortir des états avec Business Object ou autres outils donc, analytiques et dire voilà, super, donc cette année, ben, on a encore dépassé. Voilà, ça c'est l'essence même de notre solution. Ok ? Voilà, j'ai été bref, je ne vous ai pas menti. J'espère que j'ai été assez clair donc, dans ma présentation. Je suis donc pendant 2 jours avec Michel Peignot, donc, qui est l'ingénieur d'affaires Grand Compte France, à mes côtés, pour vous accompagner, donner de l'information et aller plus loin si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.